Et tout le monde! Donc salut à toutes et à tous. Première chose, un grand merci à vous tous pour les 1000 abonnés, ça me fait énormément plaisir, ça m'encourage pour la suite. Donc franchement, un grand merci à vous tous. Deuxième chose, j'ai changé le nom de la chaîne, alors j'ai mis Scott Rider. Donc pourquoi j'ai changé le nom de la chaîne? Alors j'ai changé le nom de la chaîne parce que je trouvais que le Rider du 44 c'était trop pris. Il y avait le Rider du 92, le Rider du 71, le Rider du 77, je sais pas quoi. Du coup je me suis dit je vais changer le nom de la chaîne. Comme ça j'ai changé le nom de la chaîne pour les 1000 abonnés et pour changer, bah pour changer quoi tout simplement. Alors j'ai mis Scott Rider. Donc pourquoi Scott Rider? Pour ceux qui me demanderont pourquoi, je vais répondre maintenant. Donc déjà Scott, bah parce que mon vélo c'est un Scott Gambler de 2014. Je ferai une présentation dans une autre vidéo du Scott. Et Rider parce que bah je suis un rider, donc voilà pourquoi j'ai mis Scott Rider. Troisième chose, pour les 1000 abonnés, il y aura une FAQ. Donc je referai une FAQ, donc me posez pas les questions dans cette vidéo là. Je sortirai une autre vidéo je pense semaine prochaine pour vous demander vos questions, mais me mettez pas vos questions dans cette vidéo là. Cette vidéo là c'est juste pour vous prévenir qu'il y aura ça. Donc il y aura une FAQ, il y aura des rencontres abonnés, donc j'en ferai une à Nantes pour ceux qui connaissent à Nantes. Donc je pense je ferai ça pendant les vacances, comme ça je suis sûr qu'il y aura tout le monde. Je suis sûr que tout le monde pourra venir. Un week-end, les parents ils peuvent partir, les parents de sortir, tout ça. Donc je vais faire ça pendant les vacances, comme ça tout le monde pourra sortir. Tout le monde pourra venir, tout le monde peut sortir. Donc il y aura des rencontres abonnés. Alors il y en aura une à Nantes, pardon. Une à Pontchâteau pour ceux qui ne peuvent pas venir à Nantes. Et après je verrai où je ferai en fonction des personnes qui ne peuvent pas venir. S'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas venir, j'irai là où ils ne peuvent pas venir. S'il y a 2-3 personnes, j'irai pas me déplacer pour 2-3 personnes. Eux viendront, je sais pas comment ça se passera, mais voilà. Donc deux rencontres abonnés sur pendant les vacances. Donc je vous redirai les dates. Donc je répète, il y aura une FAQ. Donc la FAQ, me posez pas vos questions dans cette vidéo. Je vous mettrai une vidéo milieu ou fin de semaine prochaine pour vous dire de me poser vos questions. Donc une vidéo pour la FAQ pour que vous me posiez vos questions dans les commentaires. Pour les nouveaux abonnés qui ne connaissent pas encore, ceux qui veulent me poser des questions, pour ceux qui me connaissent me poser d'autres questions, voilà. Et je ressortirai une autre vidéo pour prévenir qu'il y aura une rencontre abonnée sur Nantes. La première ce sera sur Nantes, parce que déjà ça fera ma première sortie à Nantes avec le DH, donc ça pourrait être pas mal d'inaugurer le DH à Nantes. Et une à Pontchâteau pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, et après je verrai en fonction des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc voilà, donc là je vais vous laisser avec du contenu que j'ai filmé mercredi, du contenu que j'ai filmé un peu avant. Donc si vous voyez mon pote Skyback44 qui est avec son vélo rouge, son Commensal 6.30, son Commensal Supreme 6.30. Non c'est un Commensal 6.30, hein, c'est un freeride. Si vous le voyez encore avec le Commensal et sans sa tenue, c'est des vidéos qui ont été tournées avant qu'il ait son DH et sa tenue. Donc pour ceux qui vont me demander, son DH c'est un Scott Voltage FR720 de 2015 il me semble. Il me corrigera dans les commentaires. Et voilà, il a eu 2-3 semaines je crois. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Je vous laisse avec le contenu de ride. Allez, salut tout le monde.